inclure les exercices de pranayama, divers exercices de pranayama. On en a fait la semaine dernière, on va en faire d'autres cette semaine. On va faire Samavriti Pranayama et Vrissamavriti Pranayama. Puis on verra après si on fait Kapalabhati. J'aime beaucoup Kapalabhati parce qu'il permet vraiment de stimuler le diaphragme et d'autres tons, d'augmenter notre capacité respiratoire. Mais la raison pour laquelle je veux faire Samavriti et Vrissamavriti, c'est que c'est des respirations, la respiration égale et inégale avec des rétentions de souffle. Et selon les Védas, selon les textes anciens, ce qui est important, c'est les rétentions de souffle. Parce que quand vous faites une rétention du souffle à poumon plein, il y a une pression qui s'exerce sur les poumons, sur les bronches, sur les bronches s'ouvrent, les alvéoles pulmonaires s'ouvrent, donc on déplisse les alvéoles pulmonaires et on libère le carbone qui ensuite, à l'expiration, est expulsé. L'expiration, elle est faite pour purifier. La respiration, selon les Védas, elle est faite pour nettoyer le corps. Donc, c'est ce qu'on va faire, nettoyer le corps avec donc pas mal de rétention de souffle et on va prolonger l'expiration. Parce que l'expiration, c'est dans l'expiration qu'on libère les toxines, c'est dans l'expiration qu'on libère l'air vicié des poumons et c'est aussi dans l'expiration qu'on libère le gras. 80% du gras est libéré dans l'expiration. Donc, c'est important de bien expirer et également de retenir le souffle à poumons vides. Parce que lorsque vous retenez le souffle à poumon vide, il y a la rate qui produit des globules rouges. Et quand vous inspirez ensuite, toutes ces globules rouges en excès vont capter l'oxygène et aller le placer un peu partout dans votre corps. Pourquoi à la rétention du souffle à poumon vide, il y a cet excédent de globules rouges qui est produit? Tout simplement parce que quand on est dans l'état, en état de fœtus, c'est la rate qui produit les globules rouges quand on est dans le ventre de notre mère jusqu'à à peu près 6 mois, 5-6 mois de grossesse. Ensuite, jusqu'à la naissance, c'est le foie. Et ensuite, lorsqu'on naît, et jusqu'à notre mort, c'est la moelle épinière. Et quand il y a une rétention du souffle, le cerveau se met en alerte et la rate se met en alerte, en fait, de ne plus avoir de souffle. Et donc, il produit un excédent de globules rouges. Hein, vous connaissez peut-être déjà l'expression « courir comme un dératé ». C'est courir comme un fou, parce qu'en fait, on ne sent pas l'effort. C'est parce que la rate produit cet excédent de globules rouges. Donc, je veux insister sur ces rétentions du souffle à poumon vide. Alors, bien sûr, ça demande un certain entraînement. Hein. Au début, les rétentions du souffle, c'est comme n'importe quel segment musculaire, il faut le travailler pour que ça devienne plus facile. Donc, on va placer nos mains en Shunya Vayu Mudra. Donc, l'index, le majeur dans la paume de main avec les pouces qui viennent bloquer l'index et le majeur et vous avez les annulaires et les petits doigts qui restent collés. Ça va? Tout le monde a les doigts suffisamment souples. Garde les index et les petits doigts en contact. Voilà, collé. Donc c'est Shunya Vayu Mudra qui permet de renforcer le système immunitaire. Donc on pose les mains sur les genoux, soit paume vers le bas, soit paume vers le haut, au choix. Gardez votre dos bien droit. Et on va donc commencer par Samavriti Pranayama. On va inspirer en 1, 2, 3, 4, retenir 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retenir 1, 2, 3, 4 et on continue ainsi. Donc comptez mentalement, vous inspirez 4, vous retenez 4. Expirez 4,
continuer en inspirant 5, en retenant 5, on expire 5 et on retient 5. À mesure que vous devenez confortable, vous inspirez 6, vous retenez 6, vous expirez 6, vous retenez 6. Sentez lorsque vous retenez le souffle à poumon plein, cette pression exercée sur les poumons, les bronches, les alvéoles pulmonaires. Et l'air et reste en contact avec les alvéoles pulmonaires plus longtemps. Ainsi vous absorbez encore plus d'oxygène. Observez la rétention, l'angana, la rétention du souffle à poumon vide. Dans cette rétention du souffle à poumon vide, l'angana signifie jeûner, et comme tout jeûne, il purifie, il nettoie en profondeur. On va maintenant enchaîner sur Visamavriti Pranayama. L'inspiration va être de 4 temps, la rétention va être de 8 temps, l'expiration de 8 temps et la rétention du souffle de 8 temps, hein, pour pousser notre rétention du souffle plus loin. Ensuite, on augmentera 5, 10, 10, 10. Si possible, bien sûr, vous n'allez pas forcer votre rétention du souffle, vous vous entraînez un petit peu tous les jours avec cette respiration, avec cette rétention du souffle à poumon vide. Donc, on inspire en 1, 2, 3, 4, suspend, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiens, 2, 3, 4, 7, 8, comptez mentalement, inspire 4, retiens 8. Expire 8. Retiens 8. Et on continue ainsi. Savoir que pour 5 minutes de respiration, 5 minutes de respiration consciente, vous augmentez tellement l'oxygène, l'apport d'oxygène dans votre corps, que cet apport dure pendant 4 heures, donc 3 fois par jour. Et surtout quand vous êtes malade, vous devriez faire 5 minutes de respiration à peu près toutes les 4 heures.
respiration abdominale détendue. À faire la respiration Kapalabhati hein, pour pouvoir bien mouvoir le diaphragme qui permet de masser le cœur, les poumons, les organes digestifs, réveiller le feu intérieur qui permet de libérer les toxines, de brûler tout ce qu'il y a de moins que pur. Donc expire complètement, contracte l'abdomen complètement, 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 laisse le diaphragme aller se plaquer vers le haut. Dans l'inspiration, tu inspires dans la cage thoracique. Tu relâches ensuite. L'air descend dans la partie inférieure des poumons. Et premier cycle de Kapalabhati. Une inspiration yogique complète. Et c'est normal si la tête tourne un peu ou si vous avez un coup de chaleur, c'est lié à l'oxygène qui entre en abondance dans le sang. À la fin de cette inspiration complète, vous expirez complètement. Complètement. Vous relâcherez simplement l'abdomen pour laisser l'air entrer confortablement sans agir sur l'inspiration. Simplement laisser les poumons confortablement se remplir d'un tiers ou de moitié, trois quarts max, et suspendre le souffle. Kumbhaka, rétention du souffle à poumons. En expire lentement. On prend une respiration détendue. On va passer notre main droite derrière le dos pour aller attraper notre bras gauche. Et on va poser notre main gauche en ligne avec la hanche, descend doucement sur la gauche. Garde le cœur bien ouvert. Garde les yeux fermés, garde la concentration sur ta respiration. Respire maintenant plutôt dans la région thoracique pour aller masser en douceur la région du cœur et particulièrement la glande du thymus, qui est cette glande qui se trouve derrière le sternum, entre les deux poumons, que l'on stimule lorsqu'on fait des postures d'ouverture du cœur. Et cette glande permet non seulement la croissance osseuse, mais permet surtout de renforcer notre système immunitaire. On se redresse doucement, la main gauche vient attraper le bras droit, pose ta main droite, viens t'étirer doucement vers le sol. Continue de tenir ton bras pour ne pas laisser l'épaule gauche partir en avant et respire dans la région thoracique.
cherche à aller masser cette glande du thymus qui est derrière le sternum, entre les deux poumons. Visualise que le prana vient nourrir cette glande. Visualise comme des particules de lumière, des particules lumineuses qui entrent à chaque inspiration dans la glande thymus et qui à chaque expiration diffuse dans le thymus, le nourrit. Continue de, c'est pas la tête qui s'écrase et les épaules qui remontent vers les oreilles, on pousse activement dans ses coudes et on relâche bien le poids des pieds sur l'extérieur et on accueille doucement la respiration thoracique. À chaque inspiration, tu visualises ces particules de lumière qui entrent dans les poumons, entre les deux poumons, dans l'espace du cœur, et qui diffuse à l'expiration. Cette posture permet non seulement l'ouverture du cœur, mais aussi l'échauffement de la colonne vertébrale, l'étirement de la gorge, stimulation des glandes thyroïdiennes, parathyroïdiennes. Et on se redresse doucement. Vous allez venir dans la posture de Balasana. Écartez un petit peu les genoux, tendez les bras devant, venez vous étirer vers le sol. On cherche vraiment à pousser le cœur vers le sol, à ramener une légère concavité dans la partie médiane et supérieure du dos. Donc soit vous posez le front, soit vous posez le menton, soit s'il y a besoin d'un bloc, vous le posez sous le front. Hein, si on est trop loin du sol, mais tes bras restent tendus. Et peut-être vois si tu peux venir sur le bout des doigts de manière à lever les coudes, que tes épaules soient un petit peu plus haut pour que le cœur puisse s'étirer réellement vers le sol. Et dans cette attitude de la posture de l'enfant, laisse-toi trouver la paix, trouver la stabilité. Continue de respirer dans la glande thymus dans cette position. Laisse ta respiration être de plus en plus aisée. Laisse ton corps se régénérer, la guérison s'installer dans ton corps, dans tes organes, dans ton esprit. Et on va garder le bras gauche tel quel, on va passer le bras droit sous le bras gauche. Et on va chercher à vraiment étirer notre bras droit complètement à droite et poser soit la tempe, soit la joue droite. Donc on a une torsion douce ici, au niveau de la partie supérieure du dos. Les épaules sont étirées, mais surtout le cœur se dénoue. Accueille chaque inspiration dans le thorax en libérant un petit peu plus l'espace du cœur. Ramène ta main droite et change. Amène ton bras gauche
sur la droite, sous le bras, bien à hauteur de l'épaule. Vois si tu peux ramener l'extérieur de ton épaule, ta joue gauche, ta tombe gauche. Libérer la partie haute du dos. Les torsions, elles sont connues pour déstresser physiquement, mentalement. Elles dénouent tout simplement. Laisse ton corps peu à peu se dénouer. Et surtout, utilise la respiration pour ouvrir l'espace du cœur, pour nourrir, stimuler la glande thymus qui va produire les lymphocytes qui combattront à tes côtés. Et on revient doucement. Et on prend appui sur les mains et sur les genoux pour venir dans le chien à quatre pattes. Veillez à ce que vos poignets ne soient pas en arrière des mains. Les poignets sont plutôt devant les épaules, en arrière des épaules, pardon. On va ramener le bras droit sous le bras gauche. Posez la joue droite. La main gauche, elle reste telle qu'elle. Elle ne bouge pas, la main gauche. Essaye d'avoir tout l'extérieur de ton bras et de ton épaule en contact avec le sol. Et pousse fermement ton genou gauche dans le sol. Engage doucement l'ischion gauche, l'os du fessier gauche, vers la ligne médiane pour que ta taille gauche reste longue. Il ne faut pas que la taille gauche parte à gauche, que les fesses partent à gauche. Tu restes bien équilibré dans tes deux genoux pour que la torsion vienne de la partie supérieure du dos. Et vois si tu peux respirer encore plus profondément, progressivement dans l'espace du cœur. Laisse-toi inspirer dans la cage thoracique, libérer un espace. Et à l'expiration, tu diffuses l'énergie. Reviens doucement sur tes mains. Échange, amène ton bras gauche sous ton bras droit. Pose ta joue gauche, essaye d'avoir vraiment tout l'extérieur du bras, l'extérieur de l'épaule en contact avec le sol. Détends les doigts de ta main gauche. Pousse un petit peu plus dans ton genou droit. Engage peut-être ton moyen fessier droit pour que ta taille droite reste longue. Et ne laisse pas ton pied gauche revenir en dedans. Si ton pied gauche touche ton pied droit, ramène ton pied gauche à une largeur de hanche. Tu vas voir que l'omoplate gauche sera plus enclin à tourner. Et reviens doucement. On va alterner donc avec ces postures de chat de l'aiguille avec la posture de Ashtangasana. Trois variantes de la posture de Ashtangasana. La première, on va glisser la poitrine entre les mains, poser le menton au sol. Et on garde les mains telles quelles. Difficile de parler ici. Et dans cette attitude de prosternation, accepte simplement d'être là. Pose ta poitrine. Tu la poses, la poitrine. Voilà. Et le cœur est bien ouvert. Toute la région du thorax se libère. Inspire encore plus profondément. Garde tes biceps roulés vers l'extérieur. Garde tes coudes vers l'intérieur. Tes épaules loin de tes oreilles. Reviens dans le chien à quatre pattes. Deuxième variante de la posture du chat de l'aiguille. À nouveau, passe ton bras droit ici sous ton bras gauche. Pose la joue et tends ton bras gauche droit devant. Engage doucement le moyen fessier gauche pour que la torsion ne vienne pas des lombaires, mais bien de la région thoracique. Et continue d'utiliser ta respiration. Oh.
main. Puis ramène ton bras gauche sous ton bras droit, pose ta joue gauche, tends ton bras droit et engage le moyen fessier droit. Réallonge ta taille droite. Continue à chaque inspiration de visualiser le prana sous forme de lumière qui s'infiltre. Toutes ces particules de lumière, c'est ce prana, cette énergie vitale qui vient s'infiltrer au cœur du thymus. Visualise le cœur, ses chambres et ses antichambres. Reviens sur les mains. Ashtangasana à nouveau, vous allez amener la poitrine entre les mains, le menton au sol et entrelacez vos doigts et levez les bras. Repose tes mains sous les épaules. Reviens dans le chien à quatre pattes. Une nouvelle fois, passe ton bras droit sous ton bras gauche. Pose ta joue droite. Lève le bras gauche perpendiculaire par rapport au sol. Et tends bien ton bras depuis ton cœur. Pense que tes bras sont l'extension de ton cœur. Plus tu tends tes bras, et plus ton cœur s'ouvre. La poitrine entre les mains, le menton au sol, et si vos épaules vous le permettent, tendez les bras devant, restez sur le bout des doigts. Le ventre n'est absolument pas en contact avec le sol, les fessiers pointent vers le haut. Place tes mains sous les épaules. Reviens dans le chien à quatre pattes. Prends appui sur les orteils et venez dans le chien détendu. Bouge doucement la tête, fais oui, puis non avec la tête. Dans cette posture du chien, tête en bas, Samavriti Pranayama. Inspire 4, retiens 4, expire 4, retiens 4. Et avancez doucement.
Relâchez la tête, libérez la nuque. Laissez vos coudes s'alourdir. Essayez de bien distribuer le poids du corps de manière égale dans les deux pieds. Laissez votre colonne complètement s'écouler comme une cascade. Alors que les jambes sont fermes, les jambes sont comme la falaise sur laquelle coule la cascade. Et respire dans l'arrière-cœur. Le cœur n'a pas qu'une face. Il est essentiel également de stimuler l'arrière du cœur. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Expire vers l'avant. Pose tes mains de chaque côté des pieds, incline ta tête. Inspire et tire ton cœur vers l'avant. Viens sur le bout des doigts. Serre les côtés du dos vers l'intérieur. Expire, plonge. On va sur l'inspiration. Posez les genoux, venir dans l'étirement du chat. À l'expiration, rentre ton ventre, viens dans Balasana, la posture de l'enfant. Sur l'inspiration, recule tes mains, amène tes mains derrière tes pieds, ouvre l'espace du cœur, Ustrasana. Dans l'expiration, une nouvelle fois, viens dans Balasana. Inspire, bouge en Angasana. Expire, chien tête en bas, reste dans le chien tête en bas. Samaritti Pranayama, inspire 4, retiens 4, expire 4, retiens 4. De manière à avoir une surpression pendant la rétention du souffle à poumon plein et d'avoir un rejet plus important des déchets du corps à l'expiration. Et à l'inspiration suivante, ramène tes pieds entre les mains et tire ton cœur en avant comme si tu voulais regarder le mur devant avec ton cœur. Expire, fond vers les genoux. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire. Inspire. Expire. En avant. Pose tes mains de chaque côté des pieds. Inspire. Ardha Uttanasana. Épaules loin des oreilles. Expire. Planche. Inspire. Pose les genoux. Creuse. Expire. Vanasana. Inspire, recule les mains, amène-les derrière les pieds, soulève le bassin, ouvre l'espace du cœur. Expire. Inspire, cobra. Expire, chien détente. Reste. Prochaine inspiration, amène tes pieds entre les mains, étire ton cœur. Expire, front vers les genoux.
sinus que tu veux nourrir. Repose tes mains de chaque côté de ton pied. Reviens dans le chien de ta main. Et entre deux, on fait inspire, chien de ta main. Chien détendu. Inspire pied gauche entre les mains, pose bien ton talon droit, lève les bras, attrape tes coudes, tire sur tes coudes, élargis l'espace du cœur, puis tends les bras. Respire dans l'espace du cœur. Devant, derrière, sur les côtés. Déplie ta jambe gauche avec plus de passion. Repose tes mains de chaque côté du pied. Reviens dans le chien, tête en bas. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Amène à nouveau ton pied droit entre les mains. Cette fois-ci, tourne le pied gauche perpendiculaire par rapport au pied droit. Ton genou droit est déjà dans la direction du pied droit et tu viens doucement dans Virabhadrasana numéro 2. Et ici, on va faire ce qu'on appelle Ganesha Mudra. On va, les quatre doigts, à part les pouces, va crocheter les quatre doigts de l'autre main. Et on va, sur l'inspiration, tirer sur ses mains. Suspendre le souffle. Expire, relâche la pression. Inspire, tire sur tes mains comme si tu voulais les séparer. Laisse ton cœur s'ouvrir plus largement. Suspend. Expire, relâche la pression. Encore une fois, inspire. Tire sur tes mains, suspends le souffle, expire, relâche la pression, tends tes bras et reviens dans le chien, tête en bas, inspire, chien, tête en haut, expire, chien, tête en bas. Amène ton pied gauche entre les mains, tourne ton pied droit perpendiculaire, viens dans Virabhadrasana numéro 2. Crochette tes doigts. Inspire, tire sur tes mains. Suspends le souffle, suspends l'énergie. Laisse-la s'étendre dans le cœur. Expire, relâche. Inspire. Et une troisième fois. Et on tend les bras. On expire, on revient dans le chien qui est en bas. Inspire, chien qui est en haut. Expire, chien qui est en bas. Une nouvelle fois, amène ton pied droit entre les mains, tourne ton pied gauche perpendiculaire et viens dans Virabhadrasana numéro 2. Et maintenant, ton bras gauche va venir, comme tout à l'heure, attraper ton bras droit. Et on vient doucement, soit poser le dos de la main droite, soit l'avant-bras, ou bien le coude. Mais on est à peine posé, on n'est pas appuyé. Autrement, on perd l'équilibre de la posture. On repousse le sol avec ses pieds. On ouvre bien l'espace du cœur. Et sans l'inspiration, reviens dans Virabhadrasana numéro 2. Expire, chien détendu. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire le pied gauche entre les mains, tourne le pied droit perpendiculaire, viens dans Virabhadrasana numéro 2. Puis ton bras droit passe derrière pour attraper ton bras gauche. Pouce index de la main gauche ensemble. Ou bien Shunyavayumudra, index majeur calé par le pouce. Ou bien doucement. Essaye de ne pas appuyer ton bras sur la jambe. C'est les jambes qui restent terrestres, qui restent tes racines, et ton cœur s'ouvre à chaque nouvelle inspiration. Et le pied arrière repousse le sol autant que le pied avant. Inspire, reviens doucement. Expire, chien, tête en bas. Inspire, chien, tête en haut. Expire. Chien, tête en bas. Et repose tes genoux. On va maintenant amener notre pied droit en avant. Et on avance le genou droit. On avance le genou droit. On vient juste poser nos mains sur le genou. Donc ne laisse pas le genou dépasser trop le pied. Les genoux n'aiment pas ça. Relâche. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse fléchisseurs et quadriceps s'étirer. Et viens doucement t'étirer vers l'arrière. Pose tes mains de chaque côté du pied ou de la jambe. Reviens à nouveau dans la posture de Anjaneyasana, cette fois-ci avec les mains jointes devant la poitrine. Presse bien tes mains l'une contre l'autre pour que tes omoplates se rassemblent. Une nouvelle fois, viens t'étirer vers l'arrière. À nouveau, bascule le genou droit vers l'avant, ramène tes mains jointes. Presse tes mains l'une contre l'autre pour que les biceps roulent vers l'extérieur et lève les bras au-dessus de la tête. Accueille bien la respiration dans tout l'espace de la glantinus, juste derrière le sternum. Entre tes deux poumons. Et repose tes mains. Recule ton pied droit. Amène ton pied gauche. Doucement relâche le poids du corps vers l'avant. Pose tes mains sur les genoux. Je sais que ça tire énormément ici, et particulièrement dans la zone du psoas. Le psoas est le seul muscle long qui rattache la jambe au tronc. Et quand ce muscle est tendu, on a du mal à se redresser, à s'ouvrir, puisqu'on est contracté vers l'avant. Laisse aller, sans peur. Viens dans la posture de la terre. Incline-toi face à la terre, respect. Une nouvelle fois, repose le pied, avance ton genou gauche. Ramène tes mains jointes à la poitrine, presse bien tes mains l'une contre l'autre. Repose tes mains. Une nouvelle fois, viens t'étirer vers l'arrière. Reviens dans la posture du croissant de lune. Anjaneyasana, ramène tes mains jointes devant la poitrine. Presse tes mains l'une contre l'autre. Lève tes bras. Et tends ta mâchoire. On repose tes mains. Et ramène le genou gauche. Et on va ici, venir s'allonger sur le dos. Ne ramenez pas les genoux vers la poitrine tout de suite, puisqu'on a commencé à travailler sur l'extension et qu'on va poursuivre dans l'extension. Donc, si vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous allez simplement défaire toute la préparation. On va tout simplement faire la posture du pont. C'est tout Bandha Sarvangasana, suivi de Sarvangasana, le cycle de posture sur les épaules.
Donc on soulève le bassin, on vient, on appuie sur le sommet des épaules, soit on tient les bords de son tapis, soit on croise les mains ici en dessous des fessiers. Garde bien tes pieds parallèles. Et ce n'est pas ta nuque que tu cherches à plaquer. Tu gardes ton visage face au plafond. Tu cherches à plaquer le sommet de tes épaules. Viens glisser tes mains ici dans le dos, déjà prêtes pour la posture sur les épaules. Donc les pouces sur l'extérieur, les quatre doigts qui pointent vers le sacrum, tu lèves une jambe, puis l'autre. Tu viens dans la posture sur les épaules. Descends doucement tes deux jambes derrière la tête pour Halasana. Et doucement déroule ta colonne. Viens poser tes fessiers sur tes mains. On a commencé par la posture de Matsyasana. On terminera avec Matsyasana. Pousse tes pieds au sol. Prends appui sur les coudes. Serre bien les coudes vers l'intérieur. Et relâche. Respiration dans ton cœur. Ensuite, repose l'arrière de la tête, libère tes bras, ramène le genou droit vers la poitrine. Termine en torsion, on amène notre genou droit sur la gauche. Va poser ton genou droit sur la gauche. Va poser le pied aussi et tend le bras droit. Et on peut rester ici plusieurs respirations avant de faire une autre variante. Si vous sentez que les quadriceps ont été suffisamment étirés, vous attrapez votre pied gauche avec votre main droite pour ensuite venir dans la posture qu'on appelle le chat qui a attrapé la queue. Toi, respirer dans ton cœur, dans ce réceptacle de joie, d'amour inconditionnel. On revient doucement. Tends la jambe droite au sol, replie le genou gauche vers la poitrine. Et ensuite, bascule ton genou gauche sur la droite, va poser ton genou, bien ton pied, tire ton bras gauche
traditionnel. Laisse ta respiration se libérer. Laisse-toi libérer un espace. Spirituellement, mentalement, émotionnellement. Vous êtes bien installé, demeurez immobile, complètement immobile. Ramenez votre attention dans les orteils, dans les pieds. Détendez vos orteils, détendez vos pieds, détendez vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Pieds et vos jambes complètement se relâcher. Détendez le bassin, les fessiers. Relâchez l'abdomen, la poitrine et les clavicules. C'est le bas du dos s'étend. Laissez votre dos s'élargir. Comme fondre sur le tapis. Laissez vos épaules plonger en arrière. Laissez vos bras être lourds, très lourds. Laissez vos mains, vos doigts être complètement détendus. Chaque phalange. Détendez votre gorge et l'arrière de votre gorge. Détendez votre visage. Lissez tous les traits du visage. Le front, le cuir chevelu, vers l'arrière de la tête. Détendez l'espace entre les sourcils. Détendez vos paupières. Laissez les globes oculaires s'enfoncer plus profondément dans leurs orbites. Lissez la peau du nez vers les joues vers les oreilles. Détendez les oreilles, les pavillons, les lobes des oreilles, les tympans, tout le conduit auditif. Détendez votre écoute. Détendez votre bouche, l'intérieur de votre palais au-dessus de la langue, le palais sous la langue, l'intérieur de la joue gauche, l'intérieur de la joue droite. Relâchez bien vos mâchoires. Laissez votre corps être paisible. Laissez votre corps se régénérer.
événements de la journée, les événements de la semaine. C'est pendant notre sommeil que l'on se régénère, que nos cellules se régénèrent. Doucement remuer les pieds, les mains. On étire les bras au-dessus de la tête, on se grandit, on s'étire, s'allonge. On ramène les genoux vers la poitrine. Roulez de gauche à droite. Venez vous asseoir, jambes croisées. Termine en chantant Om une fois ensemble et Shanti. Ramenez vos mains jointes devant la poitrine. On inspire. Ah.